מחפש כל הזמן לשפר את החנות, את העסקים. למה לי דיבורים חדשים כל יום? האמת שכל יום חייב להביא לקרבות דיבורים חדשים. רק מה, אני לא שם לב. נותן למחשבות לרוץ, וגמרנו, נגמר השעה ואני הולך. כנראה, אלה היחידים שבאמת מצייתים לרבי, הם לא מוכנים להזניח ולוותר בשום דבר. תשובה מועילה על כל דבר. תשובה קדמה, עכשיו שומה קדמה לתורה. כל הבעיה היא שהוא חושב שזה לא עוולה, זה הוא לא יעשה תשובה לעולם. הרי הם מסוכן כמוני, שיהודים כשרים, צדיקים, צעקו, הם הרגישו מה זה אלמא דעתי. הם הרגישו מה יש באלמא דעתי. אתה קורא את החוכמה לתורה כ"ח, סימן 28. Et passage guillemets. Aïn Bélikouta à la faute, il faut des cartes Amazon à la fin d'Alet. Donc, il dit. Rivka Batiael. Rivka Batiael, franchement. Aussi bien Slachat, Avram Ben Abigail. Alors, regarde dans l'écouté à la faute, il dit Yachot Birkat Amazon à la fin d'Alet. Je pense que c'est Hé, non? C'est pas écrit Hé là-bas? C'est Dalet aussi? Parce que c'est Alakha Hé, je pense, l'Alakha, comme tu dis. Chez Bihir Sham, chez Kola Tetoulim, chez l'Israël. Que Rabbi Nathan il explique là-bas que tous les déplacements, tous les voyages du Ham Israël, Bifrat Shel Tzadikim ve Talmid Chachamim, et particulièrement les déplacements des Tzadikim et des Talmid Chachamim, Shehem Na'im ve Nadim, qu'ils sont ballottés ou Metul Talim, les voyages Bedachim ve Famim, sur des chemins des fois, à Kol Rak Bishvil Levarer ou la Alot Atorot Hanefulot, Prinat Alfim Hanefulim, Shehem Prinat Avira de Alma. Tout ça, c'est pour faire un tri et pour faire monter les taureaux qui sont tombés, c'est-à-dire les Aleph qui sont tombés dans Avira de Alma. Prinat Avira de Alma. La prinat de Avira de Alma. Avira de Alma, ça veut dire les courants de pensée qu'il y a eu dans le monde, tous les courants de pensée qu'il y a. Ces courants de pensée, ils s'installent dans le fait qu'il n'y a pas eu de Torah qui a été révélée. Alors le fait que la Torah n'est pas assez révélée pratiquement dans le contenu de la vie de chacun, de toutes les nations, de toute la Bria en général, le fait qu'on n'est pas arrivé à faire une correspondance avec toute la vie par rapport à la Torah, c'est-à-dire à révéler qu'il n'y a pas de vie sans Torah, il n'y a pas de Torah sans vie, il n'y a pas de vie sans Torah, c'est-à-dire que c'est lié. Il n'y a pas de situation qui est sans Torah. Ça a créé ce qu'on appelle Avira de Alma. Avira de Alma, ça veut dire l'ère du monde. L'ère du monde, c'est quoi? C'est toutes les idéologies, toute la mode, toutes les choses. Comment quelqu'un il peut faire la mode, il peut vendre un pantalon parce qu'il a troué en dessous des chaussures, il les a fait comme ça, pointues, ou il les a fait derrière qu'elles remontent, et puis les vendre trois fois plus cher, et 10 ans après, il revient encore avec la même chose, il les revend très cher encore, alors que les chaussures de l'année dernière, elles valent la moitié du prix. Comment quelqu'un il peut tomber dans de la folie comme ça? C'est-à-dire, quand si tu en parles avec des gens sérieux, tout le monde est d'accord qu'il faut être fou pour croire dans des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est complètement fou. Un Ben Adam, il a besoin de chaussures, d'accord. Et maintenant qu'il va aller acheter des chaussures parce qu'elles sont à la mode, elles coûtent deux fois le prix d'autres chaussures. C'est pas non. Maintenant, s'il y a des nouvelles chaussures qui sont très confortables spécialement et tout, il achète parce que c'est confortable pour marcher. Mais maintenant, ils ont fait des chaussures pointues comme ça, les gens, ils ont mal aux pieds. Dès que quelqu'un m'a dit j'ai mal aux pieds, on dit parce qu'elles sont pointues, les chaussures. C'est le faire repasser. N'importe qui, c'est Béhémet, il réfléchissait un petit peu, il a un peu Yishuvada. Il se dit, bon, mais c'est un truc de fou, mais c'est pas sérieux. Mais pourtant, les gens, ils vont payer, parce que la chaussure, elle est à la mode, la veste, elle est à la mode, le pantalon, tout, les gens, ils vont payer pour toutes ces choses-là. Alors que c'est une anime là, c'est pas, on n'a pas besoin de la mode, c'est-à-dire, quel est le besoin de ça? Mais la mode, ça s'appelle Avira de Alma. Avira de Alma, c'est quoi? C'est que les pauvres, les gens, ils n'ont rien à faire dans ce monde. Ils s'ennuient, les gens, ils sont perdus. Il faut bien qu'ils se créent des repères qui motivent pour la vie. Qui motive à vivre. Si quelqu'un n'a pas des repères pour vivre, comment il va vivre? De quoi il va vivre? Tu prends quelqu'un, tu le mets dans la montagne, tu lui donnes même un. Tu lui fais livrer tous les jours du manger, tu le mets sur une montagne, en haut, à 2000 km d'altitude, dans une petite cabane, avec tout, même le confort matériel.